Bonsoir mes petits potes, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une après-midi dans ma peau. Je sais que vous aimez ce genre de vidéos, j'aime aussi les tourner à chaque fois, vous les regardez et j'aime les monter, ça me fait des souvenirs. Cet après-midi, je suis comme d'hab avec la même bande de folles qui m'accompagne constamment. Plus Elsa, bonsoir. Elsa. Oh putain, je t'appelais Elsa. Ouais. Gros, parce que Elsa, elle est pas là en fait, du coup, je me rabats sur toi. C'est pareil, Elsa. Il est actuellement, Elsa, merci, 14h28. Donc on monte dans 1h30. Mon cours est à 16h. Et même s'il fait pas très beau, que la carrière est trempante, on est en train de regarder une amie en train de monter. On va filmer ça. La carrière est pas ouf. Ouais. Et il y a Sina, notre amie, qui est en train de monter la jument de sa sœur, Fleur. Un commentaire à faire? C'est magnifique, bon. Le temps est génial. Oui, non, mais il pleut pas, c'est déjà ça. Je vais aller m'incruster dans la carrière avec elle. Là, en espérant ne pas niquer les chaussures, parce que ça fait deux paires déjà qui sont détruites au cheval. On va éviter. Coucou, coucou. Oh, j'adore, c'est trop beau. T'as du talent. Allez, je t'engage. Ton ressenti sur cette séance, ce début de séance? Super bien. Est-ce que l'élève va dépasser le maître? Bien. Super la folle. J'ai mis 50. Quoi? La folle. Ouais, il doit y avoir un bon mètre 10. Ouais, je sais pas. Tu coaches? Attention, attention. Très bien. Oui. Et allez, encore. Attends tes sauts, hein, par contre, te jette pas trop. Je suis en admiration, la meuf, elle passe avec la jument toute seule. Regardez la taille de l'obstacle. La jument a eu un petit peu peur de la chaise, elle l'a regardée, elle a fait un saut tellement haut. Je vais vous mettre un arrêt sur image. Il pleut, yes. Elle est où Coco? Ah, elle est là-bas. Il commence vraiment à pleuvoir. Ça se voit sur les vidéos. Ouais, ça se voit. On va se mettre à l'abri, rejoindre ces folles là qu'on a abandonnées depuis tout à l'heure et qui font trop de bruit. Vous avez vu la taille de l'obstacle tout à l'heure, franchement. Bah, on le voit là-bas. Ça est énorme. Ils viennent de mettre un auxerre. On va vous filmer ça. Elles sont en train de se battre pour prendre des photos. Regarde, je suis zoomée. Vas-y, viens, je prends le fer. Attention, la bombe en approche. Oh, super, bravo. Elle est très généreuse. Il y a combien, Carla, là? 25? Reconvertie en photographe. Attendez, j'ai fait des photos pour rien. Oui, bah oui. Bah, tu vas en refaire. Ça arrive, bah non, en attendant, elle est encore devant l'obstacle. Oui. Elle est fière de sa photo. Comme ta gueule. Elle est putain bien la photo. Vraiment pas. Vraiment la deuxième, la deuxième. Clairement, elle est belle. Coco, c'est Coco qui juge. Elle est où? Voilà, bim. Merci. Ça y est. Ça va les gars, moi aussi je vais faire les photos après. Ah, oh, je peux essayer. Coco va faire les photos. Suceuse. Super fière. Attends, c'est un iPhone 5. J'ai un appareil photo et j'ai la flemme d'aller tout au bout de la carrière parce qu'ils ont mis une petite ligne là-bas, mais oula. Trop loin pour nous, hein Coco, trop loin. Oui, et il pleut en plus. On sait pas marcher, ça... c'est trop loin. Donc je tiens à préciser que Héloïse monte ma jument. Voilà, je... Voilà. Voilà. Je l'aime. Je l'aime. C'était très sympa, mais nous on va y aller. Aïe, super. Aïe, bon, merci. Tu viens avec nous ou tu prends encore quelques photos? Allez, c'est parti. Bah, toi aussi, tu vas venir du coup. Ouais. Faut juste que je trouve la motivation de bouger mon fessier. Tu vas nous voir partir, tu vas vite la trouver la motivation. Pour exister. Regarde, je vais faire un dwerk. Un dwerk? Oui. Ouais. Venez, on fait un ralenti. Vas-y. 1, 2, c'est un échec. Par contre, moi je suis même pas allée vérifier si je montais bien Aurore. Ça se trouve, les filles m'ont dit n'importe quoi. Elle est où, Alix? Elle était derrière moi. Je l'ai retrouvée. Ça fait reposer là, hein, et la jument est là. Je
Je sais pas si je vous avais prévenu, mais Alix maintenant elle monte à 17h, donc moi j'ai mon cours de 16 à 17 et tout de suite après Alix 17-18. Du coup je rate le début de son cours et je peux pas trop la filmer, mais je vais essayer d'aller vite à la fin de mon cours en quand même m'occupant bien d'Aurore. Ouais. Carla, ressenti sur cette séance, qu'as-tu pensé de ta sœur? Génial. Tout trop horrible moche. Sur YouTube en fait, c'est le concept. C'est une règle. La star. Coach du jeudi. Droit à la propriété. C'est pas ça, c'est droit d'image. Mais personne ne ressemble à rien, j'ai expliqué ça à Carla tout à l'heure. C'est le concept de YouTube. C'est le concept de YouTube. Mais oui, on ne ressemble à rien dans un monde. Ah oui, ah non. Faut pas avoir peur de sa tête. Mission Cell, Aurore, numéro. Vous avez vu comme c'est bien organisé, franchement? Attendez. 18. 18. 18. Coucou. 18. C'est là. Elle est dégueulasse. Les coachs maltraitent les élèves dans ce club, faites gaffe. Vous voulez un petit cours sur comment curer les pieds? Oui. Alors d'abord, t'es trop loin. Il donne, il va tant pis. Et après tu cures les pieds. Le concept d'un tuto, c'est de montrer les choses bien grosses. Et voilà. Oh. Moi, on fait tous ça en vrai. C'est suyer comme ça sur le cheval. Ah, du crottin. Aurore, pourquoi? Regarde ce qu'elle a fait. Manon, viens voir. J'arrive, je vois ça. C'est bien. C'est non, bien. Non, c'est pas bien. Je nettoie. Oh non, voilà. Je vais devoir tout nettoyer. Ça me débête. C'est bien, mon amour. Voilà. Clairement eu la flemme de vous montrer tout le pensage, j'ai déjà mis ma bombe du coup, parce que je pense que vous savez comment vous faites malgré ce qu'a dit Manon, il pleut et il fait moche, donc ça va pas partir en football, ça va partir en jeu dans le manège je pense. Il faut que je la selle, il faut que je mette mes bottes et je serai prête. Donc je mets mes petits gants, Aurore est prête, scellée, sanglée, bridée, tout ce que vous voulez. Ça va être Horseball Pony Games, je pense que ça peut être sympa. Je l'ai montée il y a quelques semaines, deux semaines je crois en dress. Elle avait été vraiment super, hyper légère et tout, donc j'espère que ce sera pareil. Et... c'est parti. Bonjour, c'est la voix off qui vous parle. Du coup, on a fait jeu au final pendant ce cours. On était censé faire horseball et tout, mais comme on était avec un autre cours de poney d'un petit niveau, bah, on s'est dit qu'on allait mélanger les deux cours et faire des bérets, etc. Mais j'ai essayé quand même de faire une bonne détente, histoire de bien travailler Aurore, parce qu'en plus, c'est une jument que je trouve hyper agréable à travailler en dresse. Elle est très souple et elle est super bien dressée. Du coup, c'est plus facile pour moi. Et j'ai plus à me concentrer sur ma position que sur les réactions du cheval parce que je sais qu'elle aura pas de réaction bizarre ou quoi. Du coup, là, pendant ma détente, j'essayais de faire un petit peu de travail latéral sur deux pistes, mais très léger, vous voyez. J'ai essayé de pas mal lui mobiliser les hanches, les épaules. Là, par exemple, je la faisais un peu tourner sur ses hanches, etc. Lui faisais un peu croiser les postérieurs, les antérieurs, histoire de débloquer tout ça. Et puis, on a commencé à trotter. Donc, au début, c'était un petit peu lent. Il fallait un peu que je la réveille. Je l'avais pas trop dans les jambes, c'est vrai, mais au fur et à mesure ça allait de mieux en mieux, j'ai fait ça aux deux mains. Et puis ensuite, petit tour au galop, j'ai essayé de varier les allures, de l'avoir dans un tout petit galop, puis d'allonger un petit peu plus après, etc. Vous le voyez, elle était quand même assez cadencée, etc. Moi j'essayais de bien me tenir, sans pour autant spécialement chercher la mise en place ou quoi. J'essayais surtout que ce soit propre dans ma position, dans mes allures et tout. Et puis après, notre coach il nous a dit, vous restez en équilibre. Donc bah j'ai galopé en équilibre, etc. Voilà, je poussais sur mes petits mollets, mes petites cuisses. Mais après, notre transition au trot, il fallait qu'on reste en équilibre. Là encore, donc il fallait rester bien droit en mode trot arabe. Et ensuite, il a fallu qu'on repasse au pas, toujours en restant en équilibre. Moi, je pensais que c'était fini après, je pensais qu'on allait pouvoir se rasseoir. Donc, j'ai même pas eu le temps d'effleurer la selle que notre coach nous a dit « Non, non, vous restez comme ça ». Et il nous a fait marcher comme ça pendant au moins 5 minutes. Donc, clairement, le fessier, il a vraiment travaillé. Et puis, moi, j'étais comme ça, voilà. Sauf qu'il y en a une, évidemment, qui n'a pas respecté les consignes, et c'est ma copine Manon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on respecte pas les consignes qu'a donné le coach? On fait des pompes. Alors, bah, elle est partie pour 20 pompes, je crois, mais clairement, j'appelle pas ça des pompes, ce qu'elle a fait. Non, mais désolée de te tailler comme ça au montage, Manon, mais regarde-toi, clairement.
Bon, et nous, en attendant, pendant que Manon finissait de faire ses petites pompes, on s'est mis d'accord sur le jeu qu'on voulait faire, on a choisi un béret, et je vous laisse avec les images. Peut-être que cette chute mérite une ou deux explications. En fait, allez-y, le cheval noir juste là, il aime pas trop les jeux et arrivé à quelques mètres en fait du plot sur lequel il y avait le ballon de horseball à récupérer, il a décidé de s'arrêter et ma pote est passée par devant du coup. Mais vous inquiétez pas, tout le monde va bien. Et le reste, j'avais la flemme de descendre de cheval. Donc... Oui, c'était bien, Louloute. C'était bien. C'était super. Oupsie. Ah, d'accord, merci. Je crois qu'elle me fait la gueule. On va parler sentiments, regarde. Oh, yeah. Ah bah, ok, voilà. Tiens. Voilà. En fait, j'ai encore la boîte dans les mains, donc évidemment, elle a faux espoir. Hop là. Non, terminado, t'en as eu déjà. T'en as eu. Et t'as eu ta ration en plus. Oui. Je relis. Oh, ça brûle. Pour terminer, je suis avec Manon à son casier. On se retrouve très souvent là lors de mes vlogs, je crois. Je me suis bien occupée d'Aurore. Elle avait sa ration, elle a eu des friandises. Elle est très contente. Je vais aller voir ma petite soeur parce que je me suis dépêchée du coup de finir. Interromps-moi pour dire que ton panini est chaud, je ne te dis rien. Je vais dépêcher de m'occuper d'Aurore, mais bien quand même. Donc on va aller au manège avec Manon. Qui va me donner du Capri-Sun. Capri-Sun. Mais tais-toi, t'as du Tropico. Tropico. Oh yeah. On est assis dans le manège, par contre c'est clairement la chaise de la dèche. Oupsi. Bon, voici le cours de ma petite sœur. Ils ont fait jeu comme nous, du coup j'ai pas trop filmé parce que clairement, enfin il y avait pas trop d'intérêt, il y a déjà eu mon cours, etc. Je pense que ça va vous saouler à force. Je vous ai juste un petit peu filmé la détente, etc. histoire que vous voyez sa progression. Je trouve qu'elle est plus fixe, plus sûre d'elle, elle a plus d'assurance, etc. Bon, encore un petit peu évidemment hésitante, parfois un petit peu passagère sur le dos du cheval. Là elle montait Sarka. Mais je trouve quand même qu'il y a de la progression. Au moment où je fais le montage de cette vidéo, ça fait quelques semaines que ce cours est passé et je trouve encore qu'il y a de la progression entre temps. Vous verrez dans une des prochaines vidéos qui sortira, j'ai filmé un de ces cours en entier du coup. Et là encore, vu que vous la réclamez pas mal, etc., vous pourrez voir qu'en un an, eh ben, c'est pas mal du tout je trouve. Voici un de ces passages, il devait aller chercher le truc en se tenant la main, etc., sans se lâcher. Mais il n'y avait pas trop la niaque, pas trop l'envie d'y aller, j'ai l'impression. Bon, ils ont perdu parce qu'ils se sont lâchés la main, je crois. C'était bien ? Ah, vraiment bien, Sarka. C'était Sarka ? Ouais. Ça t'a plu ? Ouais. Oh... Je me fais agresser. Mes cheveux.
Ouais, c'est le bordel, il y a trop de choses. Dommage que j'ai plus de casier en vrai. On sort et on voit quoi? Ah, un arc-en-ciel! Je crois que c'est le plus grand que j'ai vu. Il est immense. C'est dingue. Bon bah voilà, c'était petit bonheur du jour. Et mon papa, il nous attend. Je suis absolument fan. Oh, wow. De retour dans la voiture avec mon papa. Voilà, mais c'est moi qui conduis, parce que je suis en conduite accompagnée. L'après-midi s'est très bien passé, j'ai un peu eu la flemme de filmer Alix, désolée, parce que en vrai, ils ont fait jeu, c'était un peu comme nous. Et vous avez vu des vidéos de mon cours, donc c'est bon, on va dire. Là, je rentre chez moi, je vous propose de vous abonner si cette vidéo vous a plu et de laisser... Non, c'est l'inverse. Laissez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et vous abonner si vous voulez regarder les prochaines, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!